Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Resident Evil 0 pour un dernier épisode, je l'espère. Non mais normalement c'est le dernier épisode, même s'il dure 10 heures, on le mettra en ligne en un seul épisode. Allez, on est des fous, donc bah, ça se trouve il va durer 30 minutes, on ne sait pas du tout. Donc la dernière fois, on avait perdu Billy, le pauvre Billy. Donc on va essayer de le retrouver. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Ah oui, j'ai de l'encre, bon, ça on s'en fout. Est-ce qu'on récupère les munitions de pistolet? Bon, pour l'instant, il récupère. De toute façon, on pourra s'en débarrasser s'il faut. Hop, on récupère. C'est où? Non, là, ici. Merci. Oh, tu vas... Il commence déjà. Je viens de commencer la vidéo, il commence déjà. Donc, prendre l'objet munitions de pistolet, c'est parti. Nickel! Voilà, donc, franchement, j'ai attendu là, cette fin, là. Oh, j'ai attendu cet épisode, je veux dire, enfin, ce... La possibilité de pouvoir jouer, là, à ce jeu-là. J'ai bien attendu, là, parce que... Alors... Qu'est-ce que ça donne? Ok, ah oui, c'est vrai qu'on était là. Donc, par contre, je sais pas du tout. Alors, on peut pas changer de personnage. Non, on peut toujours pas changer de personnage. On peut rien faire ici. Je sais plus exactement ce qu'il y avait la dernière fois. Ah oui, je crois que... Attends. Ouais, on va retourner en arrière parce qu'il y a rien ici, de toute façon. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Est-ce qu'il y a quoi, déjà? Je sais qu'il y avait des escaliers. Mais est-ce qu'il y a... Oh, il y avait une porte fermée, je crois. Attends, il y a des fenêtres, là. Oh, tu te remets, merci. Voilà, donc des fenêtres. Ouais, non, il n'y a rien du tout, c'est pas grave. On va descendre en bas et à mon avis, je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour Billy, par contre. Là, c'est toujours fermé, là. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Attends. Quoi? Je vois pas trop ce qui est... Élévateur, je suppose. Large, élévateur, opération... Ah, donc c'est par ici qu'on va au boss de fin. Large et élévateur, ça doit être la grosse plateforme de fin. Bon, on verra bien. Toi, tu peux pas t'ouvrir, non? Il y a quelque chose ici, hein? Il y a rien du tout ici. Oh là là, comment je fais, moi? Il est où, Billy, là? Là, tu vas le voir ramper, tu sais, tu vas... aide-moi, je suis là! Oh là là, putain. Pourquoi t'as pas sauté, là, pour aller voir Billy? Donc là, il y a rien du tout. Comment je vais faire, alors? Oh non, je vais déjà devoir faire une coupure, dis donc. On vient à peine de commencer. Alors, ouais, quoique, ouais, non, on s'en fout, en fait. On va pas avoir de coupure tout de suite. Ouais, non, mais franchement, y'a rien du tout. Le problème, c'est que... Oh là là, mais comment je vais faire, moi? Attends, si... Attends, je viens ici. Je viens ici, ok. Mais le problème, c'est qu'il y a rien à faire. Qu'il y a rien à faire. Ça se trouve, il y aura besoin du... Ça se trouve, il y a besoin du... Non, ça m'étonnerait. Non, je me suis dit peut-être qu'il y avait besoin du grappin, mais ça m'étonnerait. Parce que bon... Ah, mais... D'accord. En allant dessus, si t'appuies sur action, et ben ça active... Oh, mais je te jure, il fallait y penser. Ok, donc là, il n'y a rien. Oui, non, ok, ouais. Ok, d'accord. Bon, on va... Eh ben voilà. J'ai trouvé, c'est bon. Ok. Ah, mais des fois, c'est tout bête, hein. Ah, ouais, franchement, il faut y penser comme ça, appuyer sur action. Fallait y penser, je pensais que... Je pensais que c'était juste une plateforme comme ça, enfin, une fin de plateforme, et qu'il n'y avait rien du tout d'autre, quoi. Donc, là, il n'y a rien. Ouh, il y a quelque chose ici, là. Une clé, alors vous ne... Ah mince, une clé, ah bah on peut pas la transporter. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, bah voilà, nos fameuses munitions, on va juste les combiner là-haut. Voilà, et puis on va les laisser ici. Allez, salut. Ah là là, qu'est-ce que c'était nul ces munitions. Alors du coup, on récupère ça. Normalement, on devrait pouvoir faire quelque chose avec... Alors juste, quelque chose à exposer. Quoi? Quelque chose est exposé? Oula. Ça, c'est un tyran 103, si je me rappelle bien. Un humanoïde géant est en suspension dans un fluide bio-organique à l'intérieur d'une capsule. Waouh! Tu descriptionnes bien les images, toi. Hein. Hop, tout de suite, calme. Non, calme-toi, stoppé. C'est bon? Ouais? Ok. Oh, calme. Moi, j'ai pas envie de mourir. J'ai plus Billy avec moi pour me sauver. On commence pas. Salut! Comment tu vas? Moi, personnellement, je vais bien. Et toi, tu vas bien, sale enfoiré. Arrête de taper, là. Espèce de loser. Voilà, tiens. Non, attends, je suis pas rouge. Je suis rouge, quoi. Bon, il y a des plantes en arrière. On va retourner en arrière pour prendre les plantes. De toute façon, on peut pas utiliser de... On peut rien utiliser ici, de toute façon. Ouais, on peut rien utiliser, de toute façon. Bah, du coup, on va aller... Ah, je suis, on va aller. Bah oui, la porte est fermée, justement. Et bah, nickel. Du coup, c'est sur notre passage, les plantes et tout ça.
Du coup, on va récupérer les plantes, on va se soigner, et puis... Et puis après, on ira... Et puis on ira... au niveau de la porte. Ouais, tu vois, donc c'est bien en appuyant sur action, ça descend pas tout seul. C'est bien en appuyant sur action que ça fonctionne. Donc... Donc c'est peut-être pas finalement... Enfin, c'est finalement... Enfin, finalement, c'est peut-être pas la plateforme que je pensais. Enfin, après, c'est peut-être par là-bas, mais ça doit pas être tout de suite après la porte, quoi. Donc, ouais, on descend en bas. Là, ça sent, tu vois, que c'est bientôt la fin du jeu, tu vois. Il n'y a plus trop de pièces. C'est un peu saccadé. Enfin, c'est... comment dire? C'est pas saccadé, mais tu sais, c'est des pièces un petit peu petites, pas grand-chose à faire, tu vois. Et, ça sent que c'est la fin, tu vois. Ça sent la fin. pas la fin quand t'as envie de manger, tu vois, mais bon, là, petit jeu de mots. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de jeu de mots. Là, ça fait longtemps. Bon, alors, du coup, hop. Quoi, je peux pas... Ah oui. j'ai encore la clé sur moi, c'est vrai. Donc, ce qu'on va faire, bah, on va pouvoir... Tu sais quoi, j'ai la flemme de prendre la plante. Bah ouais, non, mais il y a des fois. Donc, du coup, hop, le pire... Oui, bah. Tu peux pas l'ouvrir, c'est ça. Tu peux pas l'ouvrir. S'il te plaît. Non, mais je fais comment, moi? Oh, j'ai pas d'autre idée, là. Est-ce qu'il y avait pas quelque chose en arrière? Oh, comment je vais faire? Attends, il y a peut-être quelque chose écrit sur la clé. Non, pas combiné. Examiner. Il y a quelque chose écrit sur l'étiquette. Ouais. U. On peut lire U. U. Et tout le mal. C'est pas un indice, ça. C'est rien du tout. C'est pourri, ça. Bon, bah... J'ai envie de te dire, ça va être compliqué, là. Hein. Non, parce qu'on est censé trouver une porte ou quelque chose comme ça, mais... Il n'y a pas de porte ou quelque chose comme ça. À part celle là où on était, mais sinon... Eh ben, y a rien d'autre. Y a rien d'autre. Si on descend en bas, y a rien d'autre non plus. Donc, Ouh, là, 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 là. Attends, je viens de voir un petit mot, là. Genre... Ah oui, le coffre qui était scellé. Oh, c'est vrai. Regardez. Mister Proto-Tyran viendra alors vous chercher des noises. Et ça n'a pas l'air d'être bien loin de là où on en est. J'ai envie de te dire que juste avec un pistolet... Ça va être chaud. Oui, donc c'est scellé, oui. Et si j'utilise la clé... Ah ouais, non, quand c'est scellé, c'est ça. Hein. Ah là là. Et moi, je deviens fêlé. Bon alors. Petit jeu de mots. Bon alors, du coup. Oh, c'est prêt. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de le prendre. Sûrement, je peux pas, mais je le prendrai quand même. Le problème, c'est que je fais quoi avec cette clé, moi? Ah. Il y a une serrure. Ouh. Il y a une serrure. Yes. Qu'est-ce que ça donne, du coup? Ah, bah c'est pas la plateforme que je pensais, moi. Ouais, non, c'est pas ça que je pensais. Bon, ouais, c'est pas grave. Du coup, on a fait quoi, là? La clé haut est insérée. Plateforme devrait tourner. Du coup, j'ai plus la clé sur moi. Ok, nickel. Je vais pouvoir prendre le spray. Je te dis que j'en aurais besoin. Oh, ouais, ça, c'est moi qui te le dis. On va récupérer le spray. À la limite, on va sauvegarder. Ah ouais, non, mais là, je sais que c'est... Ah non, mince. Mais du coup, je suis bête, moi. Je peux pas sauvegarder parce que j'ai pris le spray, parce que... Oh là là, mais il y a des fois, je réfléchis pas, c'est un truc de fou. Allez, c'est parti, on envoie le spray. Hop, laissez tomber le spray. Et du coup, on va essayer de récupérer la... qu'est-ce que je dis? Non, laisse tomber. On va prendre le ruban et on va sauvegarder. Alors, du coup... Hop, on sauvegarde. Et normalement, ça doit le faire. Ouais, enregistre. Ah oui, j'ai le magnum. Ouais, mais c'est pour le boss final, le magnum. Faut que je garde pour le boss final. Alors, on sauvegarde, on va sauvegarder ici, voilà, on sait jamais des fois, on va sauvegarder ici, du coup sauvegarde réussi, machin, tout ça, oui, voilà, donc Rebecca 08 S panneau, ouais, donc le même endroit quoi, génial, et donc du coup on va récupérer notre, laisser, voilà, ça c'est pratique quand même de pouvoir laisser les objets comme ça fait plaisir quoi, moi j'aime bien, voilà, donc on prend, et du coup on aura de la vie, le problème c'est que, au niveau du pistolet, c'est pas qu'il est pas très très puissant non plus, mais un petit peu. Donc du coup, ça va être compliqué à ce niveau-là. Le problème, c'est que je sais pas où ça a activé quoi que ce soit. Eh, peut-être là, mais oui. Ici, là. Mais ouais. Yeah. C'est beau gosse. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors là, à part avoir des bonbonnes à la steak, ouais, y a rien d'autre. Et là. Et là. Oh, c'est quoi ça? Abaisser le plateforme. Ouais, vas-y, fais péter. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas... Ah, mais oui, le tyran, bah il doit être là, le tyran. Putain, j'espère qu'il va pas... Oh non. J'ai bien fait de sauvegarder, n'empêche. Voilà, j'ai pas sauvegardé pour rien, j'ai bien fait de sauvegarder.
Là, ils disent, l'ascenseur arrivera au moment où le combat prendra fin. Pourquoi moi, s'il te plaît, quoi? Je suis au pistolet. Billy, pourquoi, Billy? Ça me dit quelque chose, cet endroit. Ça me dit quelque chose. Hallucinant, ça. Ça me dit trop quelque chose, quoi. Bon, en attendant. Est-ce qu'il y a moyen, s'il te plaît? Oh, franchement. Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Billy, est-ce que t'es là? Non. Faites que c'est Billy. Billy? Non, c'est pas Billy. Don't shoot. Putain. C'est qui ce mec? Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here. Ils auraient dû arriver avant moi. Haven't you seen them? Tu les as pas vus? Mais qu'est-ce qu'il faut là, lui? Quel dommage. Si on continue tout droit, on devrait arriver à manoir d'Umbrella. Où Umbrella mène des recherches. Allons-y. Attendez, je dois retrouver Billy. Il n'ira pas bien loin, allons-y. Capitaine, je dois le retrouver. Ne vous inquiétez pas, je vous rejoins. Rebecca. Bon, d'accord. Mais sois prudente. Et là, il va se faire déchiqueter. Je ne l'ai plus jamais revu. Quoi? De qui que t'as plus jamais revu, là? Oula, chelou, toi, hein. Bon, c'est quoi, ça, là? Une clé! C'est bon, ça! À quoi ça sert? Alors, du coup, on va prendre quoi? Alors, on va laisser quoi? Bah, du coup, on va laisser ça, hein. Ah mais non, mais oui, j'ai plus de magnum, enfin j'ai plus de lance-grenade. Mais ouais. Qu'est-ce que je suis con. Bon alors du coup, on va prendre ça, et on va récupérer la clé. Bah oui, on va prendre ça, du coup on récupère la clé forcément. Mais on va quand même aller là. La porte écrit, salle de sécurité. Inutile de fouiller cet endroit. Mais pourquoi, on sait jamais, imagine il y a 90 milliards d'euros. Bon, en attendant, on va aller là, et je pense qu'il y a l'autre qui va nous porter des noises, comme ils disent. Alors, enfin, ils nous cherchent des noises, je sais plus comment ils ont dit ça. Le tyran, je sais pas, c'est écrit où. Là, viendra alors vous chercher les noises. Du coup, on peut utiliser ou pas? Non? Et si on va directement sur la porte, on peut utiliser? Non, je pense que non, en fait, hein. Non. Du coup, je vois pas l'intérêt d'avoir la clé. Si on peut pas l'utiliser. Parce que ça m'étonnerait qu'on puisse l'utiliser ici, ça serait complètement bête. Il est fonctionnel. Ah mais ici là, j'avais pas vu. Eh ouais, c'est ici. Il ne fonctionne pas pour le moment. Donc je suppose qu'il faut l'utiliser. Eh, vas-y, il y a un moment, viens. Il y a un moment, tu vas me casser mes couilles. Voilà. Du coup, ça passe ou pas? Non. Mais qu'est-ce que je fais de cette clé, moi? Appeler à la plateforme grâce à la clé. Sur l'ordinateur. Oui, d'accord, ramasser les objets. Un. Qui est net autre, oui, voilà, avec la clé. Puis utiliser la derrière pour appeler l'élévateur. Ah, cette dernière pour appeler l'élévateur, d'accord. Donc, on peut appeler l'élévateur, mais lequel? Celui-là, là? C'est complètement bête. On va appeler où, du coup? Là, il y a... Il est ici, je crois, le panneau de contrôle, hein. Ouais. Donc, du coup, on utilise la clé, c'est ça? Et si on fait directement, impossible d'aller plus loin. D'accord. Et bah ça va être compliqué. C'est moi qui vous le dis. Ça va être compliqué parce que je sais pas de quoi il parle là. Oh mais... Arrête, ça m'énerve. Quand ça fait des trucs comme ça. Eh mais c'est... Oh. C'est un foutage de... Ou quoi là? C'est quoi ce délire? Vas-y, il est où ton évaluateur? Y'a pas d'élévateur ma petite là, hein? Et où? Non, y a rien du tout là. Comment je fais moi? Là, y a quelque chose là. Mais c'est quoi ce délire? Il ne fonctionne pas pour le moment. Oui, je veux bien, mais moi je voudrais bien un élévateur, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est un élévateur? Non, bah, moi non plus. Je sais pas ce que c'est. Donc, enfin, si, c'est un truc qui élève, mais. je sais pas, le. Ça peut ressembler à tout et n'importe quoi un élévateur, quoi. Ah, bah voilà, j'avais mal vu, c'est tout! Il y a une serrure, bah voilà. Ah là là. Bon alors, l'ascenseur est activé, voilà, c'est un ascenseur, pas un élévateur. Là. Il faut dire aussi, il n'utilise pas les bons mots.
Là, il y a l'autre qui va nous porter des noises, comme ils disent. Ouh, ça, ça fait peur, ça. Oh, oh. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, en plus, avec son gros fuck, là. Gros fuck. Coucou. Coucou. En plus, avec son sourire, c'est « Salut, c'est moi ah, !» J'ai rien d'autre à part mon pistolet, mon gars. Putain. Tu peux pas rester bloqué, là, dans un endroit, tu plantes ta grosse griffe et tu restes bloqué, s'il te plaît? Putain, mais en plus, t'es moche, là, c'est horrible. Ah, oh, je vais faire des cauchemars avec toi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas enfermé, s'il te plaît. Vas-y, fais pas ta pute. Oh mais gros, je... C'est impossible. Non, en plus avec... Oh là là. Mais comment je vais en chier? Comment je vais en chier? Je vais faire comment? Je veux dire, j'ai tout recommencé à chaque fois. Pff, ça va, j'ai un petit peu de vie, mais bon. Ah, j'ai le magnum. Ouais, mais non, j'ai pas utilisé le magnum. Moi je m'en fous, on va l'avoir. On va l'avoir. Hop. Oh. Non. Oh, il est mort. Non. Oui. Il est mort. Au pistolet, j'ai défoncé quoi. Oh, j'ai défoncé au pistolet. Ça, c'est bon ça. Donc. Qu'est-ce qui se passe? Attention, le suspense est là. Suspense est présent. Ouh. Ah, ok, il n'y a pas tant de suspense que ça. Bon, on recommence. Oui, Bah, j'en sais rien, moi. Oh non, mais là, par contre, là... Oh, ils me disent... Ah non. Ah non, niveau 2. Où le combat prend la fin, descendez au niveau 2. D'accord. Ah ouais, mais après, il y a... Ok, d'accord, bon. Bah, tu sais quoi? On va aller au niveau 2. Bon alors, qu'est-ce qui se passe au niveau 2? Je vais te dire qu'il se passe un truc de fou. Non, je déconne, c'est pareil. Bon alors, du coup. Mais bah, tu peux descendre. Ah, mais d'accord, ok. Ah, d'accord. Il y a pas de mouvement. Genre, salut, je descends et je te défonce. Non, que dalle. Que dalle, que dalle. Alors, c'est quoi ça? Ouh. Oh, des balles de magnum. Oh, des balles de magnum. Carton sont remplis de déchets. Il n'y a rien d'utile à l'intérieur. Oui, bah c'est normal aussi qu'il n'y a rien d'utile à l'intérieur, vu hein, qu'il y a des déchets. Ok. Alors ça, c'est pas bien joué. Voilà, donc, alors, munitions de pistolet, mais nickel. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien. Là, il y a quoi? Oh, bah, tu te calmes. Alors, toi, vas-y, viens ici, je te défonce. Vas-y, viens, allez, viens. Viens. Oh, je sors le magnum, moi, si tu continues. Ouais. Non, je déconne, c'est pareil, je veux pas sortir le magnum juste pour ça, mais je serais capable, si je l'aurais illimité. Mais je l'ai pas illimité. Alors, on va prendre ça quand même, parce que, bon, j'ai envie de te dire que ça fait un peu mal, quoi, donc, voilà, on se soigne bien comme il faut. Y'a rien d'autre? C'est quoi ça? Ah, des plantes, pas mal. Et là, c'est quoi tout ça? Je vois pas vraiment ce que c'est. Ok. La porte est... Ah, déverrouillée. Comment ça, déverrouiller, c'est-à-dire? Je vois pas de quoi il parle, là. C'est où? Ah, c'est peut-être au début? Ah, c'est ici! Yes! Billy, t'es là, Billy? Est-ce que Billy est là? Ah non, je sais pas du tout. Non, mais pourquoi je vais là-dedans, moi? Ah, je suis perdu. Pourquoi est-ce que je vais là-dedans? On dit, je pense que... Je pense qu'il y a moyen, mais alors vraiment, vraiment moyen, qu'on aille au quatrième étage. Pas du tout parce qu'on me l'a dit, hein, non. Quoique, je vais peut-être visiter le premier avant. Ouais, juste pour voir, comme ça. Ouais, je sais pas, on ira après, c'est pas grave. On ira après, et puis on verra bien. Donc, je suis en train de regarder si je vois pas le numéro 1, c'était pour le premier étage. Il y a pas l'air, hein. Il y a pas l'air d'avoir le numéro 1. Donc, c'est trop, on ira jamais. Je sais pas. Bon, déjà, on va aller au 4, on va voir ce qu'il y a. Non, allez, on va aller au 1. Voilà, moi j'ai envie d'aller au 1. Je vais au 1, ok.
Voilà, donc je fais ce que je veux, hein. T'as vu? Je fais ce que je veux, hein. Non, mais bon, je dis ça comme ça, bon, voilà. Alors, juste, si je parle un petit peu doucement, eh ben, c'est simplement parce qu'il y a des gens à côté, tu vois, donc... voilà, quoi, bon. Alors, du coup, on va aller au level 1, tiens. Level 1, hop, level 1. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ouh, génial. Donc, alors, toi, tu m'éteins, déjà, merci. Alors, qu'est-ce que ça donne, le niveau 1? Ok, pourquoi je sais pas. Si me dit. D'accord. Ouais, bizarre. Enfin bon. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que c'est derrière? Attendez, on va voir là-bas. Chelou cet endroit. Non. Non. C'est sérieux? C'est au tout début? Mais c'est génial! Bah, tu sais quoi, on va prendre ça, hein, et puis on remonte là-haut. Non! Bah, comme quoi. Et là, c'était fermé à la base. Oui, à la base, c'était éteint. D'accord. Bah, dis donc. Enfin, c'était éteint. C'était fermé, quoi. C'était pas fonctionnel. Et ben, comme quoi. Allez. On aurait pu, dès le début, arriver ici. Hop, au niveau 4, dès le début. T'imagines un peu? Comment ça finit, Joe? Vous et vos amis ne m'amusez plus, je sais pas quoi. Bon débarras. Plus rien ne m'empêchera de me venger. D'accord. Dit comme ça, tu sais, on dirait que ça va fonctionner. Mais au final, non. Ça fonctionne jamais, de toute façon. Ils gagnent jamais. Bah, personne qui gagne. Chaque fois ils se font défoncer. Donc bon, qu'est-ce que je te dis? Alors du coup, on est meilleur que, C'est comme ça. Alors. Y'a possibilité là un petit peu. Ouh. Yes, Billy. C'est quoi ça? Allez. Je crois que j'ai mal. J'étouffe. J'étouffe. Ok. Donc moi je viens d'où? Ah, je viens d'ici. Ok. Bah on va récupérer Billy, hein? Mon petit Billy. Mon petit Billy. Mon petit Billy. Oui, attends, on va voir un petit peu. Oh. Ouais, c'est vraiment du tout droit, quoi. L'alimentation a l'air d'être coupée. Ah oui, mince, j'avais pas vu qu'il y avait un côté. Là, il y a quoi derrière? Bon, on peut pas voir. Ouh! Ici, ok. Alors. Qu'est-ce qu'il y a à l'écran? Non, il y a rien du tout. Là, on peut sauvegarder. Là, il y a quelque chose tout ça. Bon, tu sais quoi? On est des fous, nous. Nous, on va sauvegarder. Ouais, on est comme ça. Il y a quelque chose sur la porte, là. Ah mince, je peux pas transporter. Ouais, attendez, on va descendre quelque chose. Ah ok, donc on va combiner, hop, et puis on va laisser ça ici, hop là. Oh là là, 16 balles de magnum, plus encore 8, 24 balles de magnum. Si on ne détruit pas le boss de fin, c'est qu'il y a un problème. Alors, vas-y, récupère-moi ça, hop. Et en plus, on est en facile, donc c'est tranquille. Et on va sauvegarder. Hop là. Mes chargements du contenu, ne pas éteindre le PC. Ça, tu vois, au moins là, tu vois que le mec, il est sur PC, tu vois. Ne pas éteindre le PC. Au moins, tu sais qu'il est sur PC. Allez, on va sauvegarder là. Hop, nickel. Alors, juste avant de continuer, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Donc, en fait, un petit peu plus tard dans le jeu, ça a coupé. Donc, pas très longtemps après. On montait là-haut et puis après ça a coupé, ça a fait n'importe quoi, ça a bugué en fait. Et donc du coup je vais recommencer et ça a bugué presque jusqu'à la fin du jeu en fait. Presque jusqu'à la fin. Donc il me reste juste la fin, il y a 20 minutes avant la fin. Juste avant une porte où ça il y a ce qu'il faut. Donc je vous laisserai là-bas, hein, je referai jusque là-bas, puis après je vous laisse la fin, au moins c'est mieux quoi. C'est mieux que de refaire une fin qu'on a déjà fait.
C'est plus pareil. Voilà, donc on va faire ça, comme ça au moins... Ça serait bête, parce que vous imaginez, ça passe de maintenant jusqu'à la fin. Il vous manque tout un truc. Ça serait bête, quoi. Oui, ok, hop là. Donc là, c'est assez compliqué. Enfin, j'ai eu du mal à trouver. Mais au final, j'ai trouvé. Donc, allez, on va changer les points. Donc, si je me rappelle bien, c'était celui-là. Voilà, en premier. Enfin, en premier ou même quand on veut, quoi. C'était celui-là. Après, celui-là. Et après... J'ai fini par lequel ? Je sais plus. C'était pas lui là ? Non, c'était peut-être lui, hein. Ah, je sais plus, du coup, j'ai un doute. Non, c'était pas lui. Comment j'avais fait ça, moi ? Ou c'était lui, peut-être ? Oui, voilà, c'était lui. C'était lui. Ok. Et voilà, boum. Vous avez vu ? Voilà, donc, si vous y arrivez pas, boum. D'ailleurs, il n'y a aucune astuce sur jeuxvideo.com là-dessus. Hein. Aucune astuce. Voilà, donc c'est ici. En plus, il y avait un décalage de son à ce moment-là. D'ailleurs, ça me fait penser. Il y avait un petit truc. Genre, en fait, c'était le zombie. Au moment du montage, en fait, j'avais fait « Oh !» comme ça, ou je sais pas quoi. Et puis le zombie, il avait fait « Oh !» Et donc, du coup, j'avais marqué le zombie perroquet, tout ça. Enfin bon. Si vous voulez, je vous fais voir. Regardez. Oh. Ben voilà, j'ai trouvé. Vous avez vu, voilà, c'était un petit délire comme ça. Ben, des fois, hein, ça peut toujours être sympathique. Alors où on en est ? Alors franchement, je sais plus du tout où on en est. Oui, on a plus Billy. Donc les balles, tout ça, on va poser ça parce que ça ne sert à rien. Laisser, voilà. Et normalement, si je me rappelle bien, on rencontre. Ah oui, non, ça après. Normalement, enfin, laissez tomber, vous verrez sur place. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire ici, récupérer machin, récupérer ici. Oh, il faut faire des allers-retours de partout là, popo. Allez, c'est bon, gars. Bon, je me rappelle plus exactement, vas-y. Oh, quoi ? Non, vas-y, reviens ici, toi. Tiens, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Hein ? Espèce de malin, va. Vas-y, venez. Hop là, moi je m'étais fait prendre par ceux qui étaient là. Je m'étais fait surprendre par eux. Mais par celui qui était derrière, non, j'avais remarqué qu'il était là. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. Enfin, j'avais remarqué. Je m'étais dit... Toi, j'en suis sûr que tu vas te lever. Et là, il s'est levé et tout. Et nickel. Enfin bon. C'est dommage que c'est bugué, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, c'est pour ça que... C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas vraiment pu poster le jeu mardi. Et encore moins mercredi. Parce que... Attendez, juste... Oula, calme-toi, recharge, voilà. Ça t'excite de recharger. Voilà, donc ça avait bugué ici, hein, exactement. Au moment où j'allais sur la porte. Oui, si tu pouvais éventuellement reprendre de la vie. Ouais, peut-être pas maintenant. Ça servira à rien. Avance. Non, reviens ici. Reviens ici. Non, me touche pas. Ça fait mal, ça. Hein. Ça commence à faire très mal. Ah, ce truc-là, mais qu'est-ce que c'est chiant. Ça te laisse même pas en placer une seule, là. Tu casses les couilles. C'est bon, vas-y, pète. Non, pas comme ça. J'étais obligé. Parce que, tu vois, quand ça change de vue, et bah, des fois, ça change aussi la manière dont elle se déplace. Tu vois, elle se déplace pas tout droit, tu vois. Des fois, tu prends le joystick, t'avances, et puis là, il y a changement de vue, et du coup, boum, elle se déplace autrement. Et des fois, ça fait un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Bon, nickel. Ok, nickel. Donc, on va peut-être reprendre de la vie quand même. D'ailleurs, j'aurais dû prendre la vie qui était là-bas. Je suis un peu bête. C'est pas très grave. Allez, c'est parti, on continue. Hop, on avance. Donc là, en fait. Il faut quelque chose de carré. Là, regarde, cette porte n'a pas de poignée. Non, il faut quelque chose de carré. Donc, c'est parti. Donc, en espérant que ça rebug pas. Parce que si ça rebug... Et donc, du coup, là, j'ai pas pu poster l'épisode mardi. Et non plus mercredi. Parce que, justement, il y avait des problèmes. Et ça m'a un petit peu démotivé à ce niveau-là. Tu vois, j'avais pas vraiment envie de m'embêter à refaire tout ça. Voilà. Donc, forcément, ça n'a pas été... d'une grande aide, voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, eh bien, voilà, donc ici, là, là-haut, vous voyez, il y a quelque chose qui brille. En fait, c'est une carte magnétique. Et là, hop là, il y a de la place pour une batterie, voilà. Donc, il faut récupérer une batterie, tout ce qu'il faut. Nickel. Alors, on va prendre ça. On va se faire une combinaison. Et là, en fait, on va... Vous allez voir, on va aller faire quelque chose d'assez sympathique et de plutôt... énorme. Non, je déconne. Non, mais c'est vraiment sympa parce que... Ah, j'ai pas envie de le dire, mais vous allez voir. Alors, du coup... Ok, ouais, donc des balles de fusil à pompe, on s'en fout. Ouais, donc là, il y a tout un truc, là. Pouh, là là.
Eh, celui-là, je vous le mettrai en avance rapide, hein, franchement. Oh non, c'est bon. Déjà que l'épisode va durer un petit moment. Si je commence à vous mettre tout le démarche qu'il y a là-bas dedans, là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est chiant. Bon, alors. Regardez. Ah non, c'est pas encore. Désolé. Ah, je me suis trompé. C'est juste après ça. On descend les escaliers, puis c'est juste après. Petite cinématique, tranquillou. Regardez. Suspense. Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Ok. Donc notre très cher Billy est un petit peu moche quand même, hein. Non, je décale, bon, on verra pas. Oui, donc oui, ah voilà, c'est là-bas, je crois. Il y a pas une porte là? Ah non, bon bah c'est où qu'il y avait une porte alors? Ah, c'est peut-être vers là. Voilà. Oh, mais hey, calme-toi, t'as vu, c'est ce que je t'ai dit avec le changement de caméra, des fois c'est. Donc, hop là, caméra, enfin une porte, et regardez où elle mène. Donc je sais plus exactement. Voilà, la porte est verrouillée. Ah oui, donc c'est après qu'on peut y ouvrir par ici, d'accord. Donc laissez tomber, je me suis trompé. Je pensais que c'était un endroit justement qu'on avait déjà vu de l'autre côté, qu'on déverrouillait la porte, mais non, c'est l'inverse. C'est l'endroit qu'on voit et que après. Enfin bon, laisse tomber. Voilà, donc, comme je vous avais dit, on va se faire une petite avance rapide quand même. Étant donné que ça va être assez compliqué, enfin assez long quoi. Surtout que il faut faire gaffe. Avant de faire l'avance rapide, je vais quand même vous montrer. Faut faire gaffe. Parce qu'après, tu peux avoir des problèmes. Alors déjà, il faut Billy, ça c'est sûr. Oh, bah tiens, utilise ta vie. Hop là, nickel. C'est parfait, hein. Ah, mais il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Donc, on va récupérer les munitions. Parce qu'au moins, on aura un max de munitions. Et on va... Et ben, on va faire ça. Check it out. Je parle pas très bien anglais, hein, donc je risque pas d'avoir un accent de fou, mais... oui, donc, regarde, hop. En premier, on va déplacer déjà la... Oh, tu vas te calmer, merci. On va déplacer les caisses et puis vous allez voir. Je vais vous montrer quel piège il faut éviter. Parce qu'il y a un piège à éviter, bien entendu. Là, toi, tu pouvais te déplacer. C'est bon, il a déplacé la bonne caisse, ça fait plaisir. Donc, regardez. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ok. J'ai fait n'importe quoi. Bon, quand tu fais n'importe quoi comme moi je fais, ce que tu fais, c'est que tu passes la porte et tu reviens. Comme ça recharge le niveau. Eh ouais, ils sont pas bêtes là-bas dedans. Ils sont pas bêtes chez Capcom. Juste, je voudrais vous montrer quand même quelque chose de très important, voilà. Donc, je me suis gouré un petit peu à la première caisse, là, mais la deuxième, regardez. Hop, on fait un avancé. Un deuxième avancé. Et là, vous vous dites, c'est bon. C'est collé de contre, il n'y a pas de souci, on a fait deux avancées, il n'y a pas de souci. On a avancé la caisse jusqu'au bout. Et ben non, il faut faire un troisième tout petit avancé. Et là, je me suis fait avoir la dernière fois, et j'ai du tout recommencé. Seulement après, je me suis refait avoir sur une autre caisse. Du coup, j'ai encore du tout recommencé. Enfin bon, c'était un bordel pas possible. Juste pour ça, regardez. On pose, regarde, on tire. Enfin, on pousse. Tac. Juste pour ça. Tac. Le petit tac. Et ben ça change tout, ça. Hein. Donc une fois, c'était avec la première caisse. Après, non, la deuxième, ça allait. Et c'était après, c'était avec l'autre caisse là-bas. Que, bah, c'était pas bien mis. Et ouais.
Eh, j'avais le démon. Enfin, après, je sais plus comment ça s'est passé. Enfin bon, en tout cas, j'ai dû recommencer plusieurs fois. Et c'était chiant, quoi. C'était chiant. Bon, voilà, on a enfin fini l'énigme. Ah, mais c'est super. Enfin, c'est même pas une énigme, c'est juste un casse-tête. C'est pire que chiant, quoi. C'est un truc de fou. Ça a rien à faire sur ce jeu, quoi. Non, mais là, c'est juste pour faire chier. Là. Non, mais attends. Oh. On va pas se le cacher, là. Franchement, ils le font exprès. C'est pas possible. Ah, ouais, non, mais attends. Je veux bien qu'il y ait des énigmes. Ouais, il faut trouver machin. Mais là, c'est pas une énigme, c'est juste pour. Non, mais bon, il y a un moment. Faut arrêter, quand même. C'est genre la partie la plus. La plus embêtante du jeu. Voilà. Je préfère dire comme ça. C'est moins vulgaire, c'est ça? Bon, alors, du coup, on va aller récupérer cette fameuse batterie. On va récupérer cette batterie. Oh, on va se calmer. Tac, tac. Allez, on monte. Ouais, voilà. Oui, enfin bon, en attendant. On a du pain sur la planche, comme on dit. Il faut découper le pain. Tac, tac. Ouais, donc on aura une carte mère à récupérer. Oh, calme-toi. Espèce de malade. Il fait flipper lui, hein. Non, mais par contre, il m'a surpris. Parce que j'étais en train de parler tranquillou. Puis je fais. Ah, mais attends, il y a un zombie là. Bah oui, il y en a un. Oui. Ok, c'est bon. Ouais. Suspense. Un peu trop long le suspense, je trouve. Ok, d'accord, ils ont même pas ouvert la porte. Ah non, non, ils sont trop. Ils sont trop. Je sais même pas qu'est-ce qu'il peut être, je sais pas moi. Ils sont trop lunatiques. Bon, alors. Venez ici là, je vous pète les dents moi. Vas-y, viens, 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 viens! 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 Qu'est-ce que tu vas faire, mais non! Ferme sa bouche là, hein. Vas-y, viens, viens, viens! Viens! Hop là! Apparemment, il y en a un ici là. Ah ouais, d'accord, il est pas mort. D'accord. Ah, dis donc. Bon, alors, du coup, ce qu'on va faire... Oh, hop, 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 calme-toi. Bon, heureusement que... Tu sais, parce que sur Skype, tu sais, il y a une sonnerie dès qu'on t'appelle ou genre de choses, tu vois. Ou même quand on envoie un message, tout ça. Bah là, actuellement, il y a quelqu'un qui m'appelle. Seulement, vous l'entendez pas, vous savez pourquoi? Parce que j'ai mis sur le casque. Et ouais, je suis intelligent. J'ai mis les appels, tout ça, sur le casque. Que sans moi, eh ben, ça me dérange pas qu'on est en vidéo. Parce qu'imagine le mec, il est en train de m'appeler alors que je suis en vidéo. Comment je fais, moi? Voilà, du coup, c'est parti. Hop là, on lui défonce la totale. Bon, oui, donc, il y a moyen de récupérer de la vie, quand même, ouais. Il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut, on est tranquillou. Je suis en train de m'interroger, là. On va tout récupérer, de toute façon, on va tout récupérer. De toute façon, au pire, hein, c'est très simple, hein, tu laisses tomber ou choses comme ça. Et puis c'est tranquille. Il y aurait moyen, peut-être, de récupérer quelque chose, ici. Ah, déjà on va récupérer ça, c'est sûr. Parce que ça va nous servir pour plus tard, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Comment on fait, oui. Je perds la notion du temps ou de je sais pas quoi. Donc, vous voyez dans le mélangeur, voilà. Substance rouge et mélangeur, oui. Nickel, nickel. Donc, on va changer de personnage quand même. Qu'est-ce que tu me tiens, là? Qu'est-ce que tu me tiens? Qu'est-ce que tu me tiens? Rapport d'enquête 2, nous devrions être entrés depuis longtemps. Au début, qui aurait cru que cela finirait en fusillade sanglante? Personne ne nous a parlé de ces créatures lors du briefing. Je suppose que le grand patron a aussi été surpris. Ces choses dans les bois, elles commencent à attaquer les gens.
Ça ne peut pas être un accident, quelqu'un a délibérément propagé le virus, c'est certain. Et là on change. Oui, donc, juste avant là, juste là. Tu vois, je suis passé, quand j'ai, tu vois, j'ai dit sanglante alors que j'étais là. C'est parce que des fois, je vais trop vite et du coup, bah, j'ai pas le temps de tout dire et en fait, tu vois, c'est... Donc il n'y a pas de décalage dans mes vidéos, ok, voilà. Non, je tiens quand même à le préciser. C'est des fois, même moi, je me dis dans mes montages, mais il y a un décalage là. Ah mais non, c'est vrai que j'avais... Enfin bon, c'est parce que des fois, je suis un petit peu trop rapide, donc... Alors, mais les gardes, nos frères d'armes doivent toujours être là. Oh, ça m'étonnerait, hein. Oh, à quoi bon, ce n'est plus mon problème. Oh bah, heureusement. Il faut que je m'occupe de savoir si je vais utiliser ma dernière balle pour me tuer ou tuer un ami. Ah, c'est le Joker. Alors, c'est la seule décision qu'il me reste à prendre. Bon, bah, c'est très simple, hein. Tu tues un zombie, voilà. C'est différent, mais c'est bien aussi. Non, c'est pas assez suffisant. Au pire, tu mets ton ami derrière toi, tu mets le Colt sur ta tête, et là, paf, tu tires et ça tue les deux. Bon, vaut mieux avoir un Magnum dans ce cas, parce que c'est vrai qu'avec le pistolet, je suis pas sûr que ça passe dans les deux, mais voilà. Alors, sinon, t'assommes ton ami, bam, gros coup de fusil, crac, comme ça, crac. Et puis après, bah, tu tires une balle. Bon, après, c'est vrai qu'une fois que tu as foutu un coup de fusil... Oh, mais attends, tu vas te calmer, toi. Tu vas te calmer. Vas-y. Oh, vous allez vous calmer. Attends. Hop là. Donc, du coup... Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, non, mais est-ce que j'étais en train de penser à un truc, là? C'était par rapport peut-être... Oui, voilà, donc t'es avec ton pistolet, tu fous un coup, ça l'assomme ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que c'est pas suffisant. Et pourquoi? Et ben en fait, c'est qu'après, ben, il sera pas mort. Donc du coup, il faut s'acharner dessus, tu vois. heureusement qu'on est sur Resident Evil, hein, sinon ça aurait rien à faire ici. Hein. Parce que c'est dégueulasse. Voilà. Mais non, mais... Ouais, bon, regarde, combien t'as? Ok, d'accord. Bah tu sais quoi, déjà, on va combiner là-haut. Voilà, on va combiner là. De toute façon, ça sert à rien d'avoir autant de balles. Et on va laisser ça là. T'as pour une seule balle, quoi. Une seule balle. Oui, donc du ruban encreur, ça va être... Du ruban encreur, ça va être parfait. On va sauvegarder. Hop. Donc, une machine à écrire. Registrer les données, oui. Ça pourrait être pas mal. Donc, chargement du contenu en cours. Pas de soucis. Ne pas éteindre le PC. Donc, bon, on va sauvegarder à la suite. Hein, voilà. Donc, c'est là où j'avais sauvegardé avant. Ici, j'avais sauvegardé là. Parce qu'en fait, après, il y a... Enfin, j'étais mort après. Alors pourquoi j'étais mort? Ah mais je crois que j'avais sauvegardé de toute façon avant. Mais bon, en attendant, après je suis mort. Parce qu'il y avait, un crapaud à la con qui m'avait bouffé là. Oh là là, il m'avait saoulé lui. Oh putain, j'ai dû tout recommencer. Enfin, tout recommencer. Non, pas vraiment. J'ai quand même dû recommencer. Quand même un bon petit chemin quand même. Ouais, c'est ça là. Ouais, peut-être, ouais, on va se guérir. Je pense qu'on va se servir de tout ce qu'il y a là. Pour pouvoir se guérir. Alors hop, on récupère ça, nickel. Oui, non, j'ai pas pris de la vie, donc c'est un peu bête. On va à la limite échanger, voilà, échanger ça comme ça. Nickel, on va dire, oui, voilà, c'est bon. Je sais ce qu'on va faire, hop. Non, mais il y a des fois, je m'embrouille un petit peu, donc on va combiner avec ça. Nickel, on va faire échanger, hop, nickel. Là, on est bien, on n'est pas bien. Allez, nickel. Non, mais ça, c'est bon, ça, tu vois. Donc, cette fois-ci, on va prendre l'autre. On va prendre Jimmy. Non, comment il s'appelle? Billy. On va prendre Billy. Ah, c'est parti, Billy Monte. Oui, donc là, il y a aussi un papier. Attendez, là, juste là. Hop, un petit papier. Donc, liquide de batterie, machin, liquide de batterie, tout ça. Voilà. En gros, ça te dit ce qu'il faut pour la batterie. Voilà, donc, Veillez à ce que la solution d'acide sulfurique soit suffisamment pure. Et aussi, il faut de l'eau, voilà. Ça devait être marqué avant, tout ça, mais il faut de l'eau et de l'acide sulfurique. Et ça, eh ben, on a déjà récupéré l'acide sulfurique, je crois. Le chose rouge, là. Ah non, c'était peut-être pas de l'acide, le rouge. Ah non, c'était dans le bleu, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, donc je me suis peut-être un petit peu trompé, mais... Bon, voilà, c'est pas grave, de toute façon... Ah non, je crois que c'est le... Ah oui, voilà. Si, il faut prendre le rouge, et après le bleu ou le vert, je sais plus. Et tu mélanges les deux... Et puis après, bah du coup, ça fait de l'acide sulfurique, voilà. Bon, alors,
Jusque là, tout va bien, donc tranquille, on avance, tu vois. Et puis là, boum. Ouais, non, mais c'est un truc... Non, je déconne. Mais je sais plus où on en est. Attends. Un bel endroit. Ouais, non, je sais pas. Ok, du gaz, ça fait plaisir. Donc. Oh, genre, vous vous calmez, vous faites flipper, là. Hein. Vous êtes moche. Ah, oh, vous êtes vraiment dégueulasse, hein. C'est horrible. Hein. Ah, c'est bien quelque chose que j'aime pas dans Resident Evil, c'est la mocheté des zombies, là. Pouh. Ça fait flipper, quoi. Ouais. Bon alors, voilà, donc là il nous faut la carte mère bah pour justement activer ça. Mais c'est un truc de fou, les gens ils insistent, hein, c'est ça aussi. Bon alors, non mais non. Bon c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon il est moche, voilà. J'aurais préféré y aller avec Billy en plus là. Oh. Bon c'est pas grave, on va l'affronter avec elle. Qu'est-ce que je te dis, hein. C'est pareil de toute façon, hein. Soit avec elle ou avec l'autre. Oh, oh vas-y, commence pas. Voilà. Non, parce que bon, les vues comme ça, moi ça me. Alors, t'es où? Vas-y, monte ta tête. Vas-y, montre avec ton gros bras d'honneur là. Hein. Putain, je te jure. Non, mais ils ont toujours des idées comme ça, Capcom. Hein. Un gros bras d'honneur comme ça, allez, c'est parti, on est chaud. Et on va faire quoi aujourd'hui? Oh, allez, viens, on fait un tir en 103 avec un gros bras d'honneur, ça va être marrant. Ah ouais, bah c'est pas bête. Allez, vas-y, on est chaud. En gros, t'es vraiment moche, hein. Pouh, hallucinant. Vas-y, viens, je te défonce, là, viens. Ouais, bah t'es pas obligé de faire de même, hein. Hein. Moi, je te défonce, toi, tu restes dans ton coin et tu subis, voilà, c'est tout. Non, mais attends. À un moment, voilà, il faut... Chacun sa catégorie, hein. Il y en a qui subit, il y en a qui... Bon, alors, du coup... Bon, j'arrête. Dire n'importe quoi. Ok, t'as le seum, là. Eh ouais, je t'ai anticipé, mon gars, t'as cru quoi? Vas-y, viens, t'es mort, espèce de lopette. Bah voilà, nickel. Ça fait plaisir. Pff, oh là là, je te jure. Non, mais il y en a des fois. Hein. Alors, heureusement qu'on est en facile parce que sinon. Ouais, sinon ça serait. Ça serait pas facile. Voilà. Bon, alors du coup. Hop, on monte à l'échelle. Et là, on récupère la carte mère. Voilà. Juste pour ça en fait. On vient ici juste pour récupérer la carte mère. C'est hallucinant. Enfin, si je me rappelle. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Hop, petite carte mère, boum. Viens ici. Ici, merci. Hop là, on récupère, voilà, nickel. Heureusement qu'on a de la place, hein, parce que si on n'aurait pas de place, et ben... Bon, on pourrait pas récupérer la carte mère. La carte mère. Bon, alors. Moyen de... Alors, je sais plus ce qu'on fait là. C'est fermé, là, hein. Non, c'est pas... Si, non, c'est pas fermé. Est-ce que là, ça serait pas dehors? Non. Si, c'est peut-être ça. Ouais, c'est là, ok, d'accord. Bon, on ira là plus tard, parce que pour l'instant, on peut pas. On peut pas, il y a... Comment dire, il y a... Tu sais, de... Il y a un barrage avec tout plein d'eau, donc bon, tu peux pas passer, quoi. Hein, sinon, tu te fais emporter. Et... Ça risque pas d'être joyeux, hein. Parce que bon... Après, il y a une grosse descente qui t'attend, donc... Ça risque de faire mal. Bon, de toute façon, on peut pas y aller, de toute façon, mais si on pouvait y aller, on se ferait emporter. Bon, c'est que le mec, il est résistant. Hein. Alors... Parce que vu la pression qu'il doit y avoir, il doit pas hésiter comme ça. S'il y a moyen que tu viennes avec moi, merci. Donc, on va mettre ça là-dedans. Et puis normalement... Ah mince. Bon, tu peux me le passer, s'il te plaît. Ah, je peux pas. Bon, alors. Hop. Voilà. Oui, non, je sais. Mais pourquoi j'ai fait ça, moi? Je m'en fous. Voilà, oui, il faut une carte mère, machin, nanana. Hop, on met ça, on utilise. Et attention, ça donne quoi? Ça donne que ça fonctionne. Nickel. Du coup, on va pouvoir rentrer dedans et aller dans l'autre pièce. Ouais, on va pouvoir aller dans l'autre pièce, ce sera nickel. Oui, c'est bon. Nickel, ok. Hop, on rentre dedans. Hop, nickel. Oui, je sais, oui. Oui, Rebecca pourrait monter dedans. Oui, on monte dans la nacelle, oui. C'est bon. Ok. T'imagines, elle reste bloquée, là. Imagine seulement, elle reste bloquée. Et elle fait comment? Hein? On se demande, hein, genre. Ouais. C'est un reste bloqué. Oh là, mais qu'est-ce qu'on pourrait rigoler? Mais non, elle reste pas bloquée, malheureusement. Bah, d'ailleurs, tant mieux, parce que sinon, on serait vraiment dans le... On pourrait pas terminer le jeu, du coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver... Enfin... Je sais pas si on active ou on désactive. Ah, de fermer la vanne du barrage. Voilà. Ah, d'ouvrir et de fermer. Donc, du coup, on ouvre ou on ferme? Est-ce qu'on ouvre ou est-ce qu'on ferme? Je suppose qu'on ouvre pour libérer de l'eau, ou alors on ferme pour justement éviter qu'il y ait trop d'eau, je sais pas. Vas-y, fais voir.
Donc c'est quoi qu'on ouvre et c'est quoi qu'on ferme? Ah, on ouvre, d'accord. Oui, on ouvre le bas. On ouvre en bas pour que ça s'évacue. D'accord, oui, voilà. Donc on ouvre. On ouvre. Alors juste... ici, j'avais pas trop bien... j'avais pas trop bien compris ici. Mais regardez, je vais vous montrer. Alors ici, là, pour moi, tu sais, pour moi, c'était bloqué. Ici, voilà, tu vois, tu peux pas y aller. Pour moi, c'était bloqué. Du coup, ouais, je me suis dit, bon, on est bloqué ici. On trouvera un moyen de sortir, c'est pas grave. Du coup, je suis parti avec Billy, tout ça. Seulement, eh ben en fait, on n'est pas bloqué. Hop, on va sur le côté, c'est bon. Et voilà, donc du coup, bah, j'ai vu ça plus tard. Donc j'ai dit, oh non, mais t'es sérieux? Parce que je savais plus quoi faire. Et en fait, il fallait aller là. Voilà, donc on ira avec Billy juste après. D'abord, on regarde. Oula. Calme-toi. Toi, je t'avais oublié. Voilà, tu peux te calmer, merci. Donc on récupère ce qu'il faut récupérer. Voilà, donc c'est bien une bonbonne bleue. Donc, comme ça. Voilà. Oui, non, c'est pas comme ça d'ailleurs. C'est directement comme ça. Non ? Ah voilà, on dirait une sorte, je sais pas quoi, voilà, dans le mélangeur. Substance rouge est déjà dans le mélangeur. Ajouter à substance chimique. Substance bleu et rouge ont été mélangés pour former de l'acide sulfurique. Ce qu'il nous faut justement pour notre cher... Et voilà, et là c'est de l'eau industrielle. Et qui dit eau, dit ce qu'il nous faut. Voilà, donc de l'eau plus de l'acide sulfurique nous fera un bon petit mélange. Donc on combine... Hop, et on met là, comme ça. Nickel ou pas? Ah, ça, ça fait plaisir. Et bah voilà, on aura ce qu'il faut, au moins. Bah ouais! Non, c'est hallucinant quand même, ça va. Enfin, je sais pas, quand t'appelles quelqu'un, il répond pas. C'est que soit il est pas là, soit il est en train de faire quelque chose, non? Bah apparemment, il y a des personnes qui comprennent pas ça. De toute façon, je m'en fous, moi ça me dérange pas, hein. C'est pas moi qui essaye d'appeler. Hein. Bon alors, voilà, vous voyez là-haut là? Pour moi, ça là-haut là? C'est des munitions, enfin vite fait quand tu passes vite fait. Pour moi ça là-haut, c'est des munitions de fusil à pompe, on est d'accord. Enfin, vite fait, ça ressemble à des munitions de fusil à pompe. Si tu regardes vraiment vite fait quoi. Tu prêtes pas attention. Eh ben non, c'est la batterie, voilà. Et donc du coup, bah, il faut que j'attende l'autre ici parce que là c'est fermé je crois. Ah non, c'est ouvert. Enfin, j'ouvre. Enfin, je déverrouille, non? Ah non, c'est pas ça. D'accord, bah je sais plus où c'est exactement. Ah si, tu passes de l'autre côté du pont et puis après t'arrives là, donc c'est nickel. Bon, alors juste qu'il va falloir faire gaffe. Parce qu'il y a un méchant crapaud, hein. On va pas se le cacher. Ah non, franchement, je vous assure qu'il y a un méchant crapaud. Mais alors là, il m'a tué. C'était violent, quoi. Alors, on va essayer de pas mourir. Quand on va se le cacher au niveau de la mort. Il y a de la présence, des fois. Surtout avec ce crapaud. Donc, hop, on avance. Tranquille et où? Et là, va falloir faire assez vite. Alors juste, on regarde ce qu'on a. Ouais, on a assez de vie comme ça. Ouais, on y va sans vie. Alors, enfin, sans vie. Sans récupérer la vie. Cours. Hop, là, on se fait choper. Je sais pas ce qu'on doit faire, mais on essaye de bouger, quoi. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on m'en fait. Hop là, voilà. Donc, si tu vas pas assez rapidement, bah, tu te fais bouffer, hein. Ah bah oui, c'est un truc de fou. Mais bon. C'est ce que je te dis, hein, c'est comme ça. Donc, hop, c'est parti. On va à l'intérieur, et puis là, et ben on va pouvoir faire notre suite du jeu. Donc moi, j'étais vers là. Voilà, j'étais, je crois que... Attends. Ouh, toi, tu vas te calmer. Bam. Toi aussi, tu vas te calmer. Bam. Et bam. Non, mais deux balles, je dis à pompe, quoi. C'est hallucinant, quand même. C'est le nombre de balles qu'il faut pour le pistolet. Donc t'imagines quand même la peu de puissance qu'a le fusil à pompe, quoi. C'est assez hallucinant. Voilà, récupère les deux, voilà. Nickel, maximum de balles fusil à pompe qui nous servira strictement à rien. Voilà, donc moi c'était ici que ça avait coupé. Enfin, ici, mais pas maintenant. Enfin, c'est ici que j'avais repris l'enregistrement, mais pas maintenant. Parce que y a encore d'autres étapes à faire que je n'ai pas encore fait. Voilà. Donc ça sera après, dès qu'on aura la carte magnétique, tout ça. Donc tu imagines le délire. Nous on fera une coupure, hein, vous inquiétez pas. On va pas s'embêter à regarder tout le long. Ouais, ça sert à rien, on fera une coupure au niveau de là où il faut placer la batterie, tout ça. Voilà, donc la porte est déverrouillée, et regardez qui c'est qu'il y a derrière. Petite surprise, attention, il y a madame. Madame qui nous est très utile d'ailleurs. Donc, ok, donc on va aller là, hop, si tu pouvais venir avec moi. Comme ça, tu pourras monter là-haut pour récupérer, s'il te reste bien sûr assez. Est-ce qu'il te reste assez? On va regarder. Nickel, il te reste plus d'une place, mais c'est magnifique. Eh, franchement, t'es trop fort. Quoi? Tu fais... Ah mince, j'ai changé de personnage. Voilà, hop, nanana, oui, hop là. Donc, on aide Rebecca à monter.
On récupère la petite batterie. Ben voilà. Donc, du coup, on devrait pouvoir combiner tout ça. Et normalement, ça nous ferait une batterie toute neuve. Ah oui, j'avais oublié. Enfin non, je l'avais pas oublié, mais... avant que de faire une batterie toute neuve, faut les défoncer. Donc on va changer... Non, on va pas changer de personnage, tiens. Il va tirer tout seul, de toute façon. C'est un grand garçon. Vas-y, venez. Ok, donc ce qu'on va faire... Hop, combiner. Voilà. Et hop là, une petite batterie toute neuve. Ça fait plaisir. Ah mais attends, c'est pas très compliqué. Hein. Ouais, du coup, j'ai pas de vie à utiliser tout de suite là maintenant. Bah, c'est pas très grave. On verra ça plus tard. Donc par contre, on va faire... bah non, on va même pas vouloir faire gaffe parce que vous allez arriver, mais juste que faites attention parce que des fois il revient sur certains passages, notamment au niveau du de là où il est venu tout à l'heure, le crapaud géant là, la grenouille géante là. Et ben niveau de là où il est venu là juste avant, et ben il peut revenir, et puis aussi à un autre endroit il peut revenir, donc faut faire gaffe à ce niveau-là parce que des fois il revient. Et il te bouffe, hein, voilà. Donc il faut vraiment être attentif, changer de personnage et tirer sur lui pour délivrer le personnage. Et il faut faire ça assez rapidement. Sinon, tu te fais manger. Voilà, donc bah, moi je vous dis à tout de suite pour replacer la batterie et récupérer la carte. C'est parti. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est là où j'avais dit tout à l'heure que ça se déverrouillait de l'autre côté, tout ça. Allez. Ok, voilà, donc si j'aurais été plus intelligent, je me serais rappelé qu'ici il y avait la porte qu'on déverrouillait, et que là on sortait ici pour récupérer la batterie. Hein, voilà, donc là on monte là-haut, là où il y a l'énigme super chiante. Après il y a la porte, là où il y a l'élévateur, on met la batterie, hop là, et on récupère... ce qu'il faut, la carte, tout ça. On récupère cette carte là. Et puis on revient ici. Ça aurait pris 2 secondes, hein. Mais non, moi j'ai fait tout le tour, moi. Tu vois, je me suis bien emmerdé. Donc vous, pensez-y, hein. Venez ici. Voilà, faites pas comme moi. Hein, voilà, venez ici, voilà, pensez-y. Au moins, ça vous évitera en plus, pourquoi pas, de tomber sur la grenouille géante là, le crapaud géant. Parce que bon, quand il te bouffe, généralement, il rigole pas. À part si t'arrives à tirer à temps, tout ça. Enfin bon, c'est un peu stressant ce moment-là. Tu sais jamais si tu vas y arriver ou pas. Et voilà quoi. Hein, bon, tu sais jamais vraiment comment t'y prendre et tout. C'est assez. Bon, là, il est pas venu. Moi, personnellement, sur mon trajet, il est pas venu. Hein. Donc, heureusement, voilà. Tant mieux. Mais il aurait pu très bien venir. Donc, hop, moi, je vais vous laisser sur ce du coup. Enfin, sur l'autre vidéo. Je vais vous abandonner là. Oh là là, qu'est-ce que je suis méchant. Mais vous inquiétez pas, je vous reprends avec l'autre personne. Enfin, avec l'autre partie de vidéo. Bah. Donc, j'étais là. J'étais vers là, voilà, tout simplement, j'étais vers là. J'allais ouvrir la porte, tout ça. Nickel, quoi. Donc, juste que j'aurais pas la même chose. Hein. J'aurais pas les mêmes. Le même nombre de balles. J'aurais peut-être pas forcément les mêmes objets, la même vie, tout ça. Donc, ça va être un petit peu différent, mais ça changera pas vraiment. J'aurais déjà la base, hein, le magnum, pistolet, munitions de magnum, et ça là, la carte, pour et les munitions de pistolet aussi. Ouais, j'aurais la base, ça c'est sûr. Donc du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que moi je vais essayer avec mon autre vidéo, voilà. Donc je vous laisse terminer le jeu tranquillou. Moi je vais essayer sur ce du coup, enfin sur le voilà, avec mon autre moi, le moi du passé. Oh là, attention, c'est voyage dans le passé. Bon voilà, donc on va se terminer
le jeu, donc il reste 20 minutes de vidéo, normalement environ. Voilà, petit boss final, tout ça. Et puis, bah, franchement, tranquille. Ouais, tranquille et tout. Donc, je vais pas vous en dire plus. Et moi, jouez sur ce. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker? Birkin? However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna... Ah oui. Ouais, t'es vraiment moche, quoi. Bon, et bah ça va être très simple. On va prendre un bon petit magnum et ça va faire plaisir. Alors, magnum, puis hop, ça c'est fait. On va revenir ici, toi. Boum. 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 Non, même pas boum. Attends, boum. Boum. C'est bon, il est mort. T'es mort, fils de... Hein? Ouais, espèce d'enfoiré. Ça, c'est le boss final, ça. Ouais, je sais. Ah, il est déjà mort, t'as vu ça un peu? Non, mais t'inquiète, il est pas mort. Loin de là, c'est quoi ça? Clé du conduit. D'accord. Et, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et clé du conduit. Tout à fait. Donc, deux clés du conduit. Donc, je suppose que lui, il va devoir en avoir une. Donc, ah non, il y a deux différentes. D'accord. Bon, on verra bien, de toute façon. Donc... Ah oui, oui, bah voilà, donc lui il doit en avoir une. Mais attends, est-ce qu'on peut y placer direct ou il faut... Ils disent en même temps. Ok, il faut qu'elle soit pas droite, quoi. Il y a une serrure, elle doit être sous l'autre. Ah oui, d'accord, oui, attends, je vais utiliser l'autre. D'accord. Ok.
Hein? Oui. Et là? Ah non, j'ai encore. Bon, eh ben... Est-ce qu'on va faire ça? Ah quoi? Mais non, justement. Voilà, reste là. Hop. Voilà. Et là, on va... Ah mais non, du coup, j'ai pas... Ah mais je te jure. Attendez, hop. Et on va faire ça. Hop là. On va lui passer ça. Donc, échanger. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. Échanger. Hop. Voilà. On va faire ça. Voilà. Et là, on va mettre ça. C'est bon ou pas? Oui, bon. Donc, du coup, elle... Eh ben, elle va mettre ça. C'est bon? Yes, nickel. Oui. C'est bon, ça se trouve? Oh, beau gosse. Eh ben, dis donc. Alors, avec... Ok. Bon, alors... Ouh, une sauvegarde. Sauvegarde, très important, sauvegarde. Attends, juste, tu pouvais prendre des balles, merci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer de personnage. Et je vais sauvegarder. Ok, ok, ok. Je vois. Donc on sauvegarde, tranquillou. Non, je veux pas de ça, moi. Je veux juste sauvegarder, moi. Non, t'es con, en fait. Oui, t'es con, oui. Oui. Allez, c'est parti, sauvegarde, s'il te plaît. Machine écrire, oui, enregistrer les données, machin, nanana, et chargement du contenu en cours, oui. Non, pas là. Non, merci. Mhm. Allez hop, voilà, sauvegarde réussi, tranquillou. Ça fait plaisir. Et ben voilà, stockage, tranquille, boum, ça c'est fait. Donc, ce qu'on va faire. Wapapapapa, mon pauvre. Oh, mais tout ce qu'il y a. Vas-y, récupère encore. Quoi, comment ça, non? Comment ça, non? Tu te fous ma gueule? Bon, on va récupérer les munitions de fusil à pompe. Oh là 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 là, mais on va se faire plaisir, hein. Donc normalement, il y a le boss de fin, là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner ça avec ça. Non, et ça, là, on va laisser tomber. Laisser tomber. Hop. On va récupérer quoi? On va récupérer ce qu'il y a, là. Il n'y a pas un petit peu de balle de magnum, là, s'il vous plaît? Non, bon, c'est jamais été des fois une petite balle de magnum. Bam, bam, hop, tu niques tout. Nickel. Ne serait-ce que 6 balles déjà. Non, 8 balles je crois, c'est. Ouais, c'est 8 balles. Ne serait-ce que 8 balles. Oh putain, il me reste presque plus rien. Oh, j'ai presque plus de balles. Pour là là, pauvre magnum. Donc, on va récupérer ça. Ouais. Nickel. Ok, bon, alors on y va. C'est le magnum que j'ai là ou c'est le pistolet? Ah, c'est le magnum. Faut mieux que je prenne le pistolet pour l'instant. Enfin, quoique. Ouais, de toute façon, ça reviendra à la même chose. Faut que j'utilise le magnum. Alors. Mmh. Allez hop, on active l'ascenseur, est-ce qu'on va y arriver du premier coup? Ça pourrait être pas mal. Alors. Ouais. Ouais, c'était ça, hein, que je vous parlais, hein, la plateforme, la grosse plateforme. Pour monter à la fin du jeu. Hé tu vas voir ce qui se passe. C'est la reine. Regarde-moi ça. Système d'autodestruction activé. Évacuez les lieux immédiatement, je répète. Évacuez les lieux immédiatement. Qui a activé le système d'autodestruction? Je sais pas. Allez, plus vite. C'est peut-être l'autre là qui était avec nous, là, le commandant, là, je sais plus quand. Celui qui était, celui qu'on a rencontré tout à l'heure avant le titan, le tyran, là. Enfin, je crois qu'on a rencontré tout à l'heure. Je sais plus. Alors. Attention, hein. Oh bah dis donc, il a grossi hein. Ah mais il a bien bien grossi hein. Alors, ce que je vais faire. On va voir ça déjà. Tu vois? Ouais tu vas te calmer. Toi mon gars. Comment je vais faire? Ah oui c'est pas avec mon pistolet que je vais faire grand chose là. Calme, oui, mais regarde, il m'a bloqué ce fils de. Putain, voilà, casse-toi là. Oh, mais tu vas me lâcher, oui. Brika, il nous a bloqué. Comment on fait, mais non? Attends, mais. Arrête tes conneries. C'est bon? Ok, d'accord.
Pas de soucis à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe du coup? Ok, donc là il y a la lumière qui éblouit. Le problème c'est que j'ai que le fusil à pompe avec l'autre là. Avec Billy. Avec Billy j'ai que le fusil à pompe. Oui, j'ai compris, oui. Il faut ouvrir les fenêtres, oui. Ouais. Ah, fais chier. Suivez-moi. Enfin, suis-moi. Quoi? Suivez-moi, elle a dit. Il a dit, bah dis donc, depuis le temps, oh, tu peux me tutoyer. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, occupez-vous de... Eh, oh, tu peux me tutoyer, connard. Pendant que je dirais ça, je sais pas quoi. Bon, j'ai que le fusil à pompe avec lui, hein. Alors, utilisation de la porte. Pour ouvrir l'héliport, en cas d'urgence, suivre la procédure ci-dessous, débloquer le verrouillage. Mécanisme, humain. Ouais, d'accord, si t'as envie. Bah, de toute façon, elle va le faire elle-même, hein. Donc, je m'en bats les steaks. Alors, on va prendre le fusil à pompe. Et puis, on va essayer de tuer cette connasse. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, là? Ok, ok, ok. Alors, déjà, on va essayer de partir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouh, t'as déjà fait la première. Magnifique. Ok, donc ça c'est fait. Juste, je sais pas comment ça se passe. Non, viens ici toi. Oh, si tu peux éviter de la tuer s'il te plaît. Laisse-la passer bordel, laisse-la passer. C'est bon? D'accord, on peut pas changer de personnage maintenant. Bon. Vas-y, arrête quand même. Viens ici, viens ici, viens ici. Saloperie, va. Ok, c'est bon, elle en a fait une. Non? Elle l'a pas fait encore, mince. Calme-toi. Comment on fait? Putain, elle est en attention, elle. Faut vraiment pas qu'il aille là-bas. Et tu te calmes, ok? Tu te calmes, Maurice. C'est bon, viens ici. Et donc la deuxième est faite, c'est bon, ok. Viens ici. Oh, tu veux te calmer? T'as vu combien il m'a shooté? T'as vu combien il m'a shooté? Grand malade. Viens ici, viens ici, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Non, tu vas la tuer. Viens ici. C'est bon. Oh, calme-toi là. J'ai pas envie que tu... J'ai pas envie de mourir, moi. Qu'est-ce qu'il y a moyen de... Ok, je suis qu'en attention. Il faut faire quand même attention. Ok, viens ici. Voilà, viens ici. Tiens, ça le prie, genre. Ouais, si tu pouvais éviter de bouger vers elle, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai pas envie qu'elle meure. Arrête de bouger, ça le prie. Merde. Ok, attends, juste. Ok, on va reprendre de la vie quand même, parce que bon. Voilà quoi, hein, c'est chaud. Ouais, putain, c'est chaud. Vas-y, viens ici, viens ici. De toute façon, elle a bientôt fini, elle a bientôt fini, elle va mourir. On a bientôt fini, il reste juste une seule. Oui, c'est bon, regarde, ça va être fini, ça va être fini. Là, il reste genre vraiment. Allez, 20 secondes et on a fini. 10 secondes et on a fini. Merde, je parie à 20, c'est fini, je te dis. À 20, je te dis, c'est fini. 19. Ah non, à 20, bim, qu'est-ce que j'avais dit? Allez hop. Et voilà, on t'a défoncé, connard. Eh ben, dis donc. Ah, c'était chaud, hein. Oh là là. Ah, il y a des fois. Hein. Et voilà. On a fini le jeu. Enfin, j'espère. Ah non. Enfin, si, mais... ouais, il reste encore le coup du flingue. Regarde-moi ça. Juste le petit flingue, là. Enfin, juste le magnum et... Ça le défonce.
Initially, it won't work hard. Yeah, just a zombie. Bon, bah voilà. On a terminé notre cher Resident Evil 0 remasterisé. Ouais. Et bah voilà, ça s'est fait où, hein. Allez, salut. Bon, ça par contre, hein. Allez hop, casse-toi. Alors, le mode Lich Hunter est maintenant disponible. Et bon, on fera ça une prochaine fois. Le mode Lich Hunter, ok. Le mode Wesker est maintenant disponible. Et bon, on fera ça aussi une prochaine fois. Chargement du contenu en cours, ne pas éteindre le PC. Et ben, ce qu'on va faire, on va sauvegarder là. Voilà. Nickel. Sauvegarde du contenu en cours. Alors, sauvegarde ici, oui. Ok. Partie complétée. Et ben voilà. Donc, maintenant, et ben. Mais non, qu'est-ce que je fasse, moi. Ben, mais non, on va se laisser sur ce. Tiens, on va juste voir un truc. Alors, vérification du contenu non téléchargeable, tout ça, oui, chargement, enfin, oui, toujours aussi long, chargement, oui, rechargement réussi. C'est en extra, c'est ça? Ah ouais, mode Wesker. D'accord. Quoi? Shadow ou Dash? Dash, comme Raybone Dash, et Shadow comme Shadow Boat. Je sais plus, attends, juste, maintenez, oui, donc relâcher, effectuer un sprint avant. Maintenez X en visant R. Une attaque à distance. Appuyez. Ah, plus vous maintenez, appuyez, plus l'attaque, d'accord. Ah, pendant un Shadow Dash, appuyez sur B. Et appuyez sur changer de direction. Ok, bon, j'ai rien retenu, mais c'est pas, c'est pas très grave. Oui, ça, je m'en fous. Oui. Ah ouais, ça doit être un, ça doit être une histoire, mais avec lui, quoi. Bon, on verra ça la prochaine fois. Hein. Ouais, tu vois, ça doit être justement une histoire, mais avec lui. Il n'y a plus de retour en arrière. Possible. Oui. On verra ça une prochaine fois. D'accord. Mais on n'est pas avec lui, là. Oh wow. Attends. T'as vu? Les yeux rouges? C'est délire! C'est quoi ces vieilles armes de merde qu'on a là? Bon, on verra ça plus tard. Franchement, on verra ça plus tard. Ouais, ça donne envie. Hein. Oh là là, j'ai trop envie, mais bon, j'ai pas le temps, donc on va se quitter là. Et puis on se dira une prochaine vidéo. Voilà, donc du coup, bah, franchement, on a plutôt bien fini le jeu. On a eu gagné un petit mode là, assez sympathique. Je crois que j'ai jamais fait, je suis pas sûr. Je sais plus du tout. Mais moi je vais essayer sur ce du coup. Et puis voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool.